Bene, la prossima scusa mi dà. Ah, sei lì? O di che? You can meet it. Oh! Tira! Nous allons avancer dans 30 secondes. Silence, silence. Les chiffres de rangée peuvent se tenir prêts. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Ramasse derrière. Allez, donne. Seconde, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Faut pas donner sa feuille, puis. C'est pas favoritisme. Les chats. Tout le monde a remis sa copine. Vous pouvez sortir. Non, non, pardon, pas vous, lycéen. La récréation n'est pas simple, c'est une récompense. Monsieur le directeur, j'ai voulu dire à la mère de Timothée et je lui ai dit, mais madame, monsieur le directeur, on recevra volontiers si tu veux. Ici souffrit le pauvre Antoine Doinel, puni injustement par Petite Feuille pour une pinote tombée du ciel. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil. Alors les champions, vous avez besoin d'un arbitre peut-être? Allez, vous pourrez vous entraîner pendant 3 jours. Pas de récréation, le repos, 3 jours de repos, ça vous fera du bien. Allez, 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 allez. Bravo! Nous avons un nouveau juvénal dans la classe, mais il est encore incapable de distinguer un alexandrin d'un décasyllabe. Primo Doinel, vous allez me conjuguer pour demain. Allez à votre place, notez la phrase. À tous les temps de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif, les autres, prenez votre cahier de récitation. Je dégrade les murs de la classe. Et je malmène la prosodie française. Française. Le lièvre. Secondo Loinel, vous allez descendre tout de suite chez le concierge. Hein, chercher de quoi effacer ces insanités. Sinon, je m'ai fait lâcher, moi, mon ami. Richier, qui vous a permis de changer de place? Autant sous les buissons flambent de fleurs vermeilles, quand déjà le vouloir, quand déjà le vouloir de mes longues oreilles se voyait par-dessus les seigles encore verts, dont je broutais les brins
jouant au travers. Un jour, que, virgule, fatigué, je dormais dans mon gîte, la petite Margot me surprit. Je m'agite. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, Simoneau? J'ai rien fait, monsieur. Naturellement, c'est toujours l'autre. Certes, elle m'aimait bien, la gentille maîtresse. Quelle bonté pour moi, que de soins, de tendresse, comme elle me pressait sur ses petits genoux et me baisait. Quel imbécile qui a sifflé ? Ah, je vous préviens, je vais être injuste. Si le coupable ne se dénonce pas, c'est le voisin qui prendra, n'est-ce pas, Simoneau ? Mais je vous jure, monsieur ! Oh ! C'est pas moi, monsieur ! Des larges, en plus. Ah, quelle année, quelle classe ! Ah, j'en ai connu, des crétins. Mais au moins, ils étaient discrets. Ils se cachaient. Ils restaient dans leur coin. Et vous ? Vous pensez avoir effacé? Non, vous avez sali, mon ami. Allez à votre place copier les récitations. Tant pis pour vous, vos parents paieront. Ah, elle va être un peu belle, la France, dans 10 ans. À quoi? Tout le monde pose de l'argent à ses parents. Ouais, mais c'est difficile, quand même. Même Morisset, je te parie. Hé, hey, Morisset, à voir. J'ai un renseignement à te demander. Où est-ce que tu les as achetées, ces belles lunettes? Au bazar d'Hôtel de Ville. Et le fric, tu l'avais piqué à ton père ou à ta mère? Hein, Morisset? Ouais, tu vas pas nous dire qu'avec ta gueule de faucheton, tu leur fais pas les poches de temps en temps? Ouais, ouais, c'était toi, un petit salaud, qui m'a fait poirer tout à l'heure. Acteur. Salaud, Morisset! Dégueulasse! Les jours sont comptés, Morisset! Va t'arriver du monde, Morisset! Oh, dis donc, j'arriverai jamais à finir ce soir. Quel salaud, quand même, ce petit feuille. C'est son métier? N'empêche qu'avant d'aller au service militaire, mon vieux, je bourrais bien la gueule, on se marra. Tiens, salut. Salut? Salut. Que je dégradasse les murs de la classe.
Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir. Où est la farine? Quelle farine? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne m'as pas acheté ce que j'avais marqué. Où as-tu mis le mot que je t'avais laissé? Je l'ai perdu. Pas étonnant, après ça que tu te dis mauvaise note. Allez, va me chercher mes mules. Elles sont dans la chambre. Sous le lit. En attendant, moi j'ai besoin de farine. Allez, va m'en chercher tout de suite. Bien, maman. Il a fallu lui mettre les fers, il se présentait par les fesses. Remarquez que ça tient un peu de famille. Pareil que pour sa mère, c'était pareil. Oh, ça ne veut rien dire. Gardez-moi pour le premier. En 10 minutes, c'était fini. Mais pour la petite, pardon. Si on n'avait pas fait une césarienne, je ne serais pas en train de vous parler à ce moment. Et ma sœur, un parent, vous vous rendez compte? Le prochain, il se condamne, vu qu'avait dit le docteur. À la fin, ils lui ont tout enlevé. Du sang partout, ma petite. En train de cavaler, fiston. Oh, je vais me faire engueuler pour l'histoire de farine. Allons bon. J'espère que tu vas pas encore faire crier ta mère. Tu sais bien qu'il faut la ménager. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un phare anti-brouillard pour la teuf-teuf. Je les traînerai dimanche au rallye. Regarde ton fils. Quel enfariné. T'assure, je n'ai pas envie de plaisanter. Tiens, moi qui y croyais justement. Rends-moi la monnaie. Il me faut de l'argent pour la cantine. Oui, bien, adresse-moi à ton père. Allez. Bah oui. Tiens, moi. Les hirondelles volent pas, dis donc, à cette heure. Pas pour la cantine, il me faudra un peu. Qu'est-ce que tu dis? Bah, il me faut juste 1 000 francs, pas seulement. Si tu me demandes 1 000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, va. Merci. Mais en principe, c'est ta mère qui paie ça. Où sont passés les ciseaux? Où sont passés les ciseaux? C'est intelligent, ça, encore. Et puis, il n'y a pas de quoi rire. Et puis, c'est pas le moment de faire tes devoirs. On va se mettre à table. Elle a raison. Chaque chose en fond, chacun à sa place, et les vaches, elles sont bien gardées. Qu'est-ce que c'est que ce stylo? Je l'ai changé. Tu fais beaucoup d'échanges en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Tu sens? C'est le poisson. Ça promet. Dis. Va demander à ta mère si le torchon brûle. Pourquoi? Pour rigoler. S'il te plaît, mon petit, tu peux commencer à débarrasser. Ton cousin m'a téléphoné. Tiens. Sa femme attend encore un môme. Le 4e en 3 ans? C'est du lapinisme. Moi, je trouve ça répugnant. À propos, qu'est-ce qu'on fait du gosse, là, pendant les vacances? Les colonies de vacances, c'est pas fait pour les caniches. Oui, à cet âge-là, ils s'amusent mieux entre eux. Mais puis d'ici 8 mois, on a le temps d'y penser. Oh, les vacances, on n'y pense jamais trop tôt. Là! On tire pas trop! Hein? Elle est chouette, hein? Club des lions. Qu'est-ce que c'est que ce déménagement? Oui, ben va doucement. J'aimerais savoir si dimanche, tu préfères la vallée de Chevreuse ou les bords de l'Oise, puisque c'est moi qui ai le choix du parcours. Dimanche, je me repose. Où? Je vais passer la journée chez mon ami Huguette. Ben, j'aurai l'air fin, moi, en tant qu'organisateur. Oui, moi, j'en peux plus, tu comprends? Le ménage toute la matinée et puis l'après-midi... Et l'après-midi, les touches. Quoi? Oui, enfin, celle-là ou les autres. Antoine, qu'est-ce que tu attends pour aller te coucher? Bonsoir, maman. Tu peux être stupide, toi, alors. Tu comprendras la plaisanterie, toi. Mais parfaitement, tu perds ton temps avec ce que tu dis. Antoine, n'oublie pas les ordures et éteins la lumière dès que tu seras couché. Bon. Les rallyes, ça crée des relations. Tu verras quand tu seras élu vice-président du premier secteur. Mais ils ont trop besoin de toi pour faire. Mesdames et messieurs,
émissions sont terminées. Bonsoir, mesdames, mademoiselles, bonsoir, messieurs. Dépêche-toi, il est tard. On n'a pas entendu le réveil. Que je dégradasse les murs de la classe. Il n'y a presque plus de chaussettes autour de ma paire de trous. Oh, elles sont fichues, celles-là. Achète-en des neuves. Les autres sont au sale. Je t'ai bien donné l'argent pour les draps de lit du gosse. Tu te souviens? Oui. Oh, bah, tu sais, il aime autant dormir dans son sac de couchage. N'est-ce pas, petit? Moi, je suis au chaud, moi, là-dedans. C'est ton petit poil. Comment, t'es encore là, toi? Au revoir, papa, maman. Hé, hey, Antoine, tiens, salut! Bon vieux, faut pas courir comme ça. Mais on va être en retard, la petite porte sera fermée, faudra encore passer chez le Dirlo pour la dérouille, elle suffit. Faut pas se presser. Mais pourquoi? Petite feuille a dit qu'il ne laisserait pas rentrer. On pourra plus frôler. Si, on peut pas te piffer. Have you money? Ouais, je suis tranquille. Alors fais-moi confiance, par ici la sortie. Qu'est-ce qu'on va foutre maintenant? Tiens, suis-moi. Fous ton cartable à côté de moi. On ne piquera pas. C'est toujours aussi que je veux. Thank you.
Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu. Ton fils, c'est lequel des deux? Le châtain. Mais je ne comprends pas, il devrait être à l'école en ce moment. Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir? Penses-tu? Mais non, sans jamais le dire à mon père. Comment le type? Ben, je l'ai jamais vu. Ben alors, comme ça, t'es sauvé? Décidé à rentrer demain. Seulement, il me faudrait un mot d'excuse. Comment tu vas faire, toi? Oh, j'en ai un vieux qui a jamais servi. Je couperai la date. Je te le prête jusqu'à demain, t'as qu'à le recopier. Oui, mais pour l'écriture? Imite celle de ta mère. Ce sera difficile, tu sais, elle écrit drôlement pointue. T'en fais pas, ça ira. Ben, j'espère bien. Salut. Salut! Monsieur. Je vous prie d'excuser mon fils René. René qui a été malade. Mon fils René. Tiens, ça sent encore le brûlé là-dedans? Oh, ça vient d'en dessous. Tu mettras le couvert pour deux seulement. Pourquoi maman est partie? Non, maman m'a téléphoné qu'elle rentrerait plus tard ce soir. Son patron la retient pour les bilans de fin d'année. Alors, on va se faire la cuisine tous les deux, et puis on va manger entre hommes. Elle m'a dit qu'il y avait des œufs quelque part. Oui, oui, je sais où ils sont. T'as bien travaillé aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Le lièvre. Ah oui, le lièvre et la tortue. Mais non, le lièvre tout seul. On l'a expliqué. T'as bien répondu? On m'a pas interrogé. Ah, bah, faut demander, mon vieux. Faut aller de l'avant. Sinon, tu seras jamais dans la course. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. À propos, t'as pensé à l'anniversaire de ta mère? C'est le 17, tu sais. J'espère que tu vas lui offrir quelque chose. Antoine, tu m'entends? Oui, je sais ce que tu penses. Elle a été un peu dure avec toi ces temps-ci, mais forcément, elle est très nerveuse. Il faut se mettre à sa place. Elle a beaucoup à faire, tenir à l'intérieur quand on travaille l'après-midi. Surtout qu'ici, c'est beaucoup trop petit. Remarque, on va déménager, je suis sur une piste. Et puis au bureau, c'est, tu comprends, c'est toujours pareil. Les femmes, on les exploite. Elles savent pas se défendre. Elles t'aiment, tu sais, elles t'aiment. Oh merde. Antoine! Oui, papa. Où as-tu mis mon guide Michelin? Je n'ai pas touché. Antoine, tu sais très bien que je ne peux pas supporter le mensonge. C'est la vérité, papa. Je suis sûr de l'avoir remis en place hier. Je te jure que c'est pas moi. Alors c'est incompréhensible, les choses se volatilisent dans cette baraque. C'est pas moi. Bon, bon, je demanderai à ta mère. Il est temps de te coucher maintenant. N'oublie pas les ordures.
patron qui m'a raconté. Patron, patron. Oui, parfaitement. Je ne peux tout de même pas refuser qu'il me ramène à la maison, non? Le tarif de nuit, ça compte double. Je ne suis pas bien content à la fin du mois. Ce genre d'heure supplémentaire, ça te fait content? Oh, ça suffit, ça suffit. Ah, je comprends que le dimanche, madame a besoin de repos, hein? À propos, vas-tu m'éviter de Michelin? Mais est-ce que je sais, moi? Il faut aller demander au gosse. Il dit qu'il n'y a pas touché. Mais il ment comme il respire. Et il a Sydney. Sydney, il fait mieux! Oh, merde alors! Je lui ai donné un nom, je le nourris. Oh, j'en ai assez! Oh, mais assez, assez! Si tu ne peux pas le supporter, dis-le. On va le mettre chez les jésuites ou chez les enfants de trou. Que j'ai enfin droit à un peu de calme. Dans ces conditions, il n'y a qu'à aller manger au restaurant jusqu'à la fin du mois. Mais pour ça, il faudrait que j'aie une chemise propre à me mettre. Mais bon sang, si t'as pas le temps de laver la chemise, lave-moi le col. Vous n'avez pas acheté ce phare anti-brouillard pour épater la galerie? Je l'ai acheté d'occasion, oui. Eh ben, va ouvrir. Et si c'était le gaz? Ça se saurait, ils préviennent d'avance. Bonjour, monsieur. Je suis le camarade de classe d'Antoine. Je viens voir s'il va mieux. Mieux? Pourquoi? Parce qu'il a manqué hier toute la journée. Tu entends ça? Merci, petit. Bonjour, monsieur. Ça n'a pas l'air de t'étonner. Pourquoi veux-tu que ça m'étonne? Je m'attends à tout de sa part. Je me demande ce que je vais pouvoir trouver comme excuse. Ça faut trouver quelque chose d'énorme. Plus c'est gros, plus ça passe. L'année dernière, quand ma mère s'est cassée la guibole, je suis rentrée aussi sec à l'école. J'ai tout raconté, sauf qu'elle était bourrée. Y a pas eu besoin de mots. Oui, d'accord, mais je peux pas raconter un truc pareil, mon vieux, écoute. Non, mais en tout cas, faut pas qu'on rentre ensemble à l'école. Ouais, ça de toute façon, hein, tu parles au premier. Te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas? Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Ah oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades, va. Qu'est-ce que t'as trouvé comme excuse? Oh, laisse-moi tranquille. Mieux vaut l'épinoval. Et puis nous, je pense. Si vous vous laviez les oreilles du verger, vous entendriez ce qu'on vous souffle par derrière. Et puis nos culs. Ne me soufflez pas, monsieur. Il cherche à me faire tremper. Ouais, ça suffit. Continuez. Oh, je sais pas, j'assume, monsieur. Que les fleurs dans la crèche. Que les fleurs dans la crèche. Mieux vaut l'indépendance. Et l'incessant péril. Que l'esclavage. Avec un éternel avril. Vous êtes un éternel cossard du verger. Asseyez-vous deux. Parole, je savais à la maison. Douanel. Monsieur. Ah, excusez-moi, mon petit. Simoneau. Le lierre. Monsieur le directeur. De Jean Richepin. Asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous.
Monsieur le directeur, j'estime que la sanction doit être à la mesure. Mais la mesure est dépassée, mon cher. Nous sommes dépassés par l'anomalie d'une telle faute. Seuls les parents pourront le sévir. On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Oh, les miens, ils en ont vu d'autres. Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive ma vie. Je leur écrirai une lettre pour leur expliquer. Tout de suite? Oui, ça vaut mieux. Et où est-ce que tu vas coucher ce soir? Oh, j'en sais rien, ça m'est égal. J'ai peut-être une idée. Rendez-vous dans une heure devant le jadeau de la place Pigalle. Oui, d'accord. Salut. Salut. C'est une vieille imprimerie qui est partie à mon oncle. Le plancher s'est écroulé à cause du poids des machines. Tu crois pas que ça pourrait encore s'écrouler? Pas de danger, ça peut pas tomber plus bas, et puis en tout cas, tu auras pas froid. Ça, c'est un vrai matelas. Ça, c'est pour faire un oreiller. Oh la vache, c'est drôlement lourd. Ben, jusqu'à minuit, t'as qu'à aller te promener. Oh bah, il y a un monte cartable, tu me le rendras demain. Entendu. Mes chers parents, je comprends sans cesse la gravité de mon mensonge. Oh, tu parles. Mais pourquoi est-ce moi qui l'a fait mourir plutôt que toi? La question de préférence, c'est clair. Après cela, la vie entre nous n'est plus possible. Aussi, je vais tenter ma chance tout seul dans la capitale ou ailleurs. Je veux prouver que je peux devenir un homme, alors je vous reverrai et nous nous expliquerons sur tout. Je vous quitte et je vous embrasse, Antoine. Alors, tu trouves normal qu'il me déteste? Mais tu es de plus en plus dur avec lui. Je suis surmenée, alors il me tape sur les nerfs. Oh, oh, vous pouvez m'aider à l'attraper? Oui, bien sûr, madame. Et petit, c'est ta sœur? Non, je l'ai jamais vue, elle m'a demandé de courir après son chien. Elle est perdue ou bien est à elle? Bah, j'en sais rien, moi. On peut vous aider? Mais bien sûr, plus on sera nombreux, plus on aura de chance de l'attraper. Comment s'appelle-t-il? Mais j'en sais rien, moi. Et laisse tomber, petit. C'est moi qui l'ai vu le premier, moi je cours après lui. Mais t'as compris, oui.
Et tant l'aile. Oui, monsieur. Alors, ça a dû barder chez vous hier soir, hein? Monsieur, pas du tout, ça s'est très bien passé. Ah. Allez, allez. Les parents nous les poussent. Dites donc, Chabrol, vous voulez que je vous aide? Dernière question. Encore plus simple. Where is the father? The father? Non. The father. Father. Oh, father. La pointe de la langue entre les dents. Father. Comme si vous osiez. Father. Father. Non! Monsieur, je peux pas, monsieur. Tout le monde peut pas mettre la langue comme vous dites. Taisez-vous! Asseyez-vous. Allez vous asseoir. Et vous êtes un insolent. À vous. À vous. À vous, répondez. Where is the girl? The girl had a bitch. Non, bitch. 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 The beach. Beach. Grenelle. Debout, à gauche, assis. Franchot, vous nommez responsable jusqu'à mon retour. Nous ne savons plus comment nous y prendre. Mon mari est... Ah, chère petite madame, vous méritiez mieux qu'un gaillard pareil. Ah, mon pauvre chéri, il ne t'a rien arrivé au moins. Où as-tu passé la nuit? Dans une imprimerie. Dans une imprimerie. Oh. Qu'il soit dernier, hein, tout me serait égal, pourvu qu'il ait une bonne conduite. Eh ben, c'est parfait. C'est peut-être une question de grande. Ah, il ne faut pas que tu prennes froid. Là, et maintenant au lit. Je n'ai pas sommeil, moi. Non. Dans le nôtre, tu seras mieux. Tu sais, j'ai eu ton âge, moi aussi. Vous oubliez toujours ça, les gosses. Moi aussi, j'étais butée. Je ne voulais rien confier à mes parents. Je préférais tout écrire dans un journal. Personne ne l'a jamais lu. Un jour, je te le montrerai. Hein? Justement, à ton âge, j'étais en vacances. Je suis partie avec un jeune berger. C'était une amourette, on nous a vite rattrapés. Ma mère m'a fait promettre de ne plus jamais le revoir. Et elle n'a rien dit à mon père. Alors, j'ai beaucoup pleuré. Mais j'ai obéi. Parce qu'il faut toujours obéir à sa mère. On peut avoir des petits secrets, tous les deux, hein? Dis. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre? Quand tu as écrit, on s'expliquera sur tout. Ben, à cause de ma mauvaise conduite. Et puis pourquoi je travaille mal en classe? Eh bien, dis-le-moi. Parce que j'arrive pas à écouter. Et puis je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul. Mais enfin, c'est de la folie, tu ne te rends pas compte. Si tu savais comme je regrette de ne pas avoir été au-delà du bachot. Et ton père qui n'a que son brevet. Hein? C'est que ça le gêne dans sa carrière. Je sais très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire. On va avoir un autre secret, tous les deux. Tu veux? Hein? Voilà. Si, à la prochaine composition française, tu es dans les... Voyons, dans les 5 premiers, je te donne 1000 francs. 1000 francs, hein? Mais tu ne diras rien à ton père. Thank you.
Tout à coup, le moribond se dressa sur ses deux poings, jeta sur ses enfants effrayés un regard qui les atteignit tous comme un éclair. Les cheveux qui lui garnissaient la nuque remuèrent, ses rides tressaillirent. Son visage s'anima d'un esprit de feu. Un souffle passa sur cette face et la rendit sublime. Il leva une main crispée par la rage et cria d'une voix éclatante le fameux mot l'Archimède. « Eureka, j'ai trouvé !» Décrivez un événement grave dont vous avez été le témoin et qui vous a personnellement concerné. Eureka, j'ai trouvé. La mort de mon grand-père. Le singe s'envoie la nouvelle dactylo. Elle a de la défense, la petite. Elle en a profité pour se faire bombarder secrétaire de direction. Elle a pour ça toutes les aptitudes requises. Maintenant, il va falloir se méfier d'elle. Bicose confidence sur l'oreiller. Quand elle faisait la province, je lui avais expliqué comment ratiboiser sur les notes de frais. Mais je t'en fous, elle descendait que dans les hôtels à 3 étoiles. À propos, dit. Ça me fait penser que j'ai pas retrouvé mon guide Michelin, moi. Et forcément, il y en a un de vous qui a mis la main dessus. Oh, tu commences à nous courir avec ton Michelin, tu sais. J'aime pas les mystères, moi. Tiens, t'as encore laissé quelque chose sur le feu. Moi? Ah, non, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu lui prends? Oh, c'est le bouquet! Mais éteins le au lieu de crier! Oh! Puis au lieu de crier, va chercher de l'eau! Oh! Oh! Oh, bougre d'âne! Ça suffit comme ça! Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon sang, qu'est-ce qui t'a pris? L'idée d'allumer une bougie là-dedans? C'est pour Balzac ou pas? Balzac, Balzac! Non, mais dis, tu m'as pas regardé, dis, tu m'as pas regardé! C'est pour la compo de France. Oh, je comprends, laisse-le. Il m'a promis quelque chose. Quoi? Toucher la prime d'incendie pour toute la baraque? Mais avec une bougie, tu y arriveras jamais, mon bonhomme. Tiens, tu veux mon briquet, dis? C'est pas ridicule! Aussi longtemps que tu seras nourri et logé ici, tu feras ce qu'on te dira. Sinon, je ne vois qu'une solution, le prix tanné. Tu sais pas ce que c'est, mon bonhomme, hein? Eh bien, t'apprendras sur place. Et tu marcheras au pavé. Oh, oh! Vous ne savez pas ce qu'on va faire pour changer d'atmosphère? Hein? On va passer la soirée au Gaumont Palace tous les trois. Ah, très bien, parfait. Excellente méthode d'éducation. Oh. Tu es content de ta composition française? Oui, elle est pas mal. Julien! Écoute, Julien, je te demande de nous faire confiance. Il nous prépare une bonne surprise, c'est promis. Moi, que j'aime pas ça. Alors, tu nous emmènes au Gaumont Palace? Hein? Qu'est-ce qu'on y joue? Paris nous appartient. Ah, oh, si c'est un complot. À moins qu'il n'y tienne pas. Moi? Pourquoi? Mais j'ai bien travaillé, moi. Je l'ai mérité, moi. Ah, seulement les incendiaires. Au Gaumont, c'est plutôt mal vu. Ils étaient bons, mon palais esquimaux. J'en avais jamais mangé à la fraise. Ah, ben c'est parce que c'était pas la saison. Ah, ben les plus belles cartes. C'est plus belles cartes, tout de même, hein, comment dirais-je, un de ces. Oui, un de ces. C'est tout ce que tu as remarqué, évidemment. Un de ces panaches. Ça rigole, derrière, hein. Quand même, le film, moi, il m'a bien plu. Hein. Oui, mais il était pas marrant. Oh, c'est... Comment il était pas mal, mais il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah oui. Le film. Oui. Allez, à la maison. Allez. À la maison. Allez. Oh, au lit. Personne. Gros dodo. Grosse minute. Le général du diable. Et son état-major. Il a réveillé tout l'immeuble. Regarde, si elle a une belle jambe ta mère, hein. Voyons, Julien, oh,
Et nous retrouvons la douceur du foyer. Un peu fumant, hein? Mon chéri, les ordures, hein? Tu seras gentil. Non. Tu vois, je l'ai amadoué. J'espère que je n'aurai pas lieu de le regretter. Oh. Oh. Vu le soin ménager dont travailler je suis, vu l'important souci qui, sans fin, me tourmente, et vu tant de regrets desquels je me lamente, je t'ébahis souvent quand je chante déjà. Je ne chante, Mani, je pleure mes ennuis, ou, pour leur dire mieux, en pleurant, je les chante, si bien qu'en les chantant, souvent, je les enchante. Voilà pourquoi, Mani, je pleure jours et nuits. Chante ainsi l'ouvrier faisant son ouvrage, ainsi le laboureur faisant son labourage, ainsi l'aventurier songeant à sa dame, ainsi le marinier en tirant à la rame, ainsi le pèlerin regrettant sa maison, ainsi le prisonnier maudissant sa prison. Douanet, si votre copie se présente la première, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de donner les résultats dans l'ordre inverse du mérite. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. Oui, que votre ami Douanel ait cru devoir choisir pour sujet la mort de son aïeul, c'était son droit. Bien que nous sachions qu'il n'hésite pas à sacrifier ses proches quand ça peut lui être utile. C'est pas vrai, monsieur, j'ai pas copié. Ah, qu'on en juge. Soudain, le moribond se dressa sur son lit et jeta sur ses enfants pleins de terreur un regard foudroyant. Les cheveux qui lui garnissaient le crâne se dressèrent, ses sourcils se relevaient. Son visage s'anima comme si le feu s'y était mis, ce qui le rendit sublime. Il leva un poing crispé par la rage et cria d'une voix de tonnerre le fameux mot d'Archimède, « Eureka, j'ai trouvé !» Eh bien, moi aussi, j'ai trouvé, Douanel. Vous êtes un abominable plagiaire. C'est pas vrai, monsieur. Allez immédiatement porter votre copie à monsieur le directeur. Tenez, Colombelle, accompagnez-le. Et dites-lui que je ne veux plus vous voir d'ici la fin du trimestre. Mais qu'est-ce qui te prend? Il n'a pas copié, j'étais assis à côté de lui, je l'aurais vu. Ah, vous voulez être exclu, vous aussi? Je ne déplairais pas. Encore une insolence? Sortez! Je vais être exclu, mais je ne peux pas sortir, il y a froid dehors. Foutez ma chambre! Ça, c'est pas légal. C'est pas légal. Je vais vous montrer qui fait la loi ici, moi! C'est pas légal! Ah, c'est pas légal! Alors, vous l'avez emmené chez monsieur le directeur? Non, il s'est sauvé. Il s'est sauvé? Et toi, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Petite fois, il était vachement en furax, il m'a renvoyé jusqu'à après Noël. Oh la vache, trop vieux, là. Oh, tu parles, après un coup pareil, je peux pas retourner à la maison. Mon père, il a dit qu'il me mettrait au Prytané. Prytané, je connais pas. Oh, ben, ça doit être un truc militaire. T'auras un uniforme, et puis dans l'armée, il y a de l'avenir. Ouais, bien sûr, eh bien, très peu pour moi. Ah, oh, si ça pouvait être dans la marine. Je voudrais bien voir la mer, j'y suis jamais allé. Moi, je connais la Manche, je connais l'Atlantique, la Méditerranée, je connais pas la mer du Nord. Allez, viens, tu vas habiter chez moi, on te débrouillera.
malheureux, va. Ta mère ce temps-ci? Oui, aujourd'hui, quand je suis rentrée de l'école. Elle s'est arrangée pour que ses horaires ne coïncident pas avec les miens. Elle doit préparer un mauvais coup. Où sont les fruits? Oh, diable, 9h30, je les ai en retard au cercle. Éloigne-toi un peu, on va rater les actualités. Je sais, inspecteur, j'ai créé tous les articles de votre code et vous allez me booker pour le restant de mes jours. Allez quand même ce soir faire un petit tour vers 8h chez le vieux Hilly. Hein? Vous risquez d'y rencontrer votre petit copain ou Tarzan Poison. Qu'il y a? Mais c'est une vraie tabagie là-dedans. Mais on se croirait dans un tripot, ma parole. Bon, 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 je te retiendrai 3 cigares sur ton argent de poche. Qu'est-ce que c'est que ça? Bucéphale n'est pas un dépotoir. Ça vaut au moins près d'1 million, ce truc-là. C'est une œuvre d'art. Du reste, je ne m'en séparerai qu'en toute dernière extrémité. Bon, eh bien, maintenant, tu vas me faire le plaisir de tout éteindre et de t'endormir. Bonsoir, papa. Bonne nuit. Pas mal. Oh, mon Dieu. Oh, oh. Oh, oh. Oh, terrible. Passe-moi ton guide Michelin. 1 million, ça fait vachement l'affaire. Ouais, mais c'était le cheval de mon père. Après ça, il serait capable de me tuer. Fais donc choix, bah. Avec 1 million, on se tire à la plage, on monte une affaire de bateau, sans que personne ne s'occupe rien de nous.
parce qu'on veut. Il y en a bien quelques-unes dans le bureau de mon père. Alors faut pas se dégonfler. On pourra jamais les revendre, elles sont toutes numérotées. On va la revendre, faut la mettre au monde piété. Ah, pas con. Ma mère a fait toute la baraque au monde piété. Ça y est. Chapeau rouge, allez, mou. Mais dis donc, et mère grand. Salut. Combien? 10%. D'accord. 1000 tout de suite. Oh non, quand vous viendrez. Ah là là, la confiance règne. Ça n'a pas marché, il faut pouvoir montrer la facture. Bon, alors rendez-nous notre machine. D'accord, mais il y a des rangements. Disons 500 balles et on enverra la sauce. On les a pas. Oh, vous avez bien un petit quelque chose, quoi. Tiens, 300 et on n'en parle plus. Oh non, on n'a pas un rond, donnez-nous notre mais machine. Mais petit agneau, moi je travaille pas pour rien. Tant pis pour vous, je la garde en dépôt. De clous, elle est à nous, la machine. Écoutez, rendez-nous notre machine ou bien je vous fais une grosse tête. Eh, pas les pattes, là. Quoi? Elle est pas plus à vous qu'à moi, compris? Tiens.
Tiens, là, l'agent pourrait peut-être lui demander. Dieu, ta gueule. C'est bon. Gardez-le, votre engin. Petit merde. Merde, j'en ai marre de la porter. Chacun son tour. Oh, puis mon père va se douter que c'est moi qui l'ai piqué. C'est toi qui en as eu l'idée. C'est toi, et salaud. Oh, ça alors. Oh, je m'en fous de ne se tomber. T'es pas tombé sur la tête, non? Bon, et puis de toute façon, il faut que je retourne au bureau du vieux la reporter. Je vais mettre un chapeau sur la tête, comme ça, si le concierge me voit, il dira qu'il a vu passer un homme. Allez, sois pas vache, rapporte-la à ma place. Ah non, mon vieux, pas question, c'est pas moi qui en ai l'idée. Bon, bon, d'accord, mais t'es quand même un beau salaud. Puis tiens, prends-la pendant que je vais mettre mon chapeau. Tu m'attendras devant la boutique, tiens. Mais dis donc, t'es mal fils Douanel, toi, j'ai pas la berlue. Au salaire. Ah, c'est monsieur papa qui va être content, hein? Et moi qui me fais engueuler parce que je surveille pas les entrées. Ben, tu vas me payer de ça. Et puis, je te préviens, hein? N'essaie pas de me jouer la fille de l'air, parce que je connais la musique, moi. Et j'aime pas les petits malades dans l'espèce. Allô? Oui, monsieur Douanel? Oui, excusez-moi de vous déranger pendant votre conférence. Oui. Ah non, il faudrait que ce soit vous qui montiez. Oui. Mettons que c'est une surprise, mais pas agréable. Touche pas le chapeau! Voilà. Tu penses bien que je t'emmène pas une partie de plaisir, non? Fini la rigolade. Ta mère et moi, on va pouvoir dormir tranquille. Puis tu peux le regarder, ton copain, et puis tâche de t'en souvenir. Parce que vous n'êtes pas prêts de vous revoir. De toute façon, ça pouvait plus durer. Si j'avais fait ça à ton âge, mon père m'aurait assommé. Au revoir, le commissaire. On a tout essayé, monsieur le commissaire. La douceur, la persuasion, les sanctions. Remarquez, on ne l'a jamais battu, ça on peut pas dire. Il y a des cas où les bonnes vieilles méthodes... Oui, bien sûr. Seulement, c'est pas notre genre, à sa mère et à moi. On le laissait plutôt libre. Trop, peut-être. Non, ça, on peut pas dire non plus. Enfin, dans la mesure où on travaille tous les deux, vous savez ce que c'est. Oui, je suis père de famille, moi aussi. Faut reconnaître que parfois, on ne s'y retrouve pas très bien. Mais si seulement il avait voulu se confier à nous. Et pensez-vous, on lui parle, il est ailleurs. Tenez, vous croyez qu'il écoute, là? Regardez comment je l'ai trouvé, avec la machine. Allez savoir ce qui lui passe par la tête. Cabanel! Voulez-vous me consigner la déposition de ce garçon? Vagabondage et vol. D'accord, patron. Allez, viens. Bon. Alors, qu'est-ce que vous décidez? De toute façon, dans l'immédiat, on ne peut pas le reprendre à la maison, il repartirait. Alors, je sais pas, moi, si vous pouviez le faire surveiller quelque part, à la campagne, par exemple. Et puis le faire travailler, parce qu'à l'école, il ne veut plus rien fiche. Ben, on peut essayer le centre d'observation. C'est bien organisé maintenant. Il y a des ateliers où on travaille le bois et le fer. Oui, c'est ça, ça lui fera du bien. À condition qu'il y ait de la place, bien entendu. Et pour ça, il faudra faire une demande en correction paternelle. Ah. Oui, pour que l'éducation surveillée le prenne en charge. Demain matin, on le présentera devant le juge du tribunal pour enfants. Vous n'aurez qu'à vous y trouver. Vous, votre femme. Ah, entendu. Personne t'a vu entrer dans l'immeuble? Non. Bon. Ce même jour... Déclare avoir pénétré subrepticement. Une machine à écrire. Bon. Tiens, signe ici. Oh, Charles! Chef! Vas-y, il est à toi maintenant. Allez, viens. Par là.
Moi, je te le passe parce que moi, je rentre. D'accord. Tiens, voilà les chéris. Allez, allez, allez. Moi, j'ai vu un commissariat dans un film. C'était drôlement plus propre. Moi, j'en ai vu un plus sale. Ben, moi, des plus gais. Le carrosse est avancé. Vite tes poches. Tu signeras là.
Signe ici. À la rigueur, on pourrait essayer de le reprendre. Mais pour ça, il faudrait qu'il s'engage à changer du tout au tout. Si seulement vous arriviez à lui faire peur, monsieur le juge. Mais ce n'est pas mon rôle, madame. Mais nous n'avons aucun pouvoir sur lui. Ou peut-être l'exercez-vous de façon trop intermittente. Dites-moi, est-il vrai que l'enfant soit parfois resté tout un week-end seul à la maison? Mon mari s'occupe d'un club automobile. Il a pu nous arriver de laisser le petit seul à la maison. D'ailleurs, il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma à s'esquinter les yeux. Et votre mari, que pensez-vous de tout ça? C'est son fils, après tout. Ben, non, justement. Il m'a épousée quand le petit était en bas âge. C'est tout à son honneur. Je n'aurais pas dû vous dire ça. Mais si, au contraire. Et réflexion faite, je crois qu'il vaut mieux que nous mettions l'enfant en observation dans un centre. Oh, ça pouvait être au bord de la mer, monsieur le juge. Madame, nous ne sommes pas une colonie de vacances. Je ferai de mon mieux selon les places disponibles. L'enfant y restera 2 ou 3 mois, le temps que je poursuive mon enquête. Ensuite, nous prendrons une décision. Croyez-moi, ce déconditionnement ne peut lui faire que du bien. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir, madame. Pourquoi t'es tombé, toi? Oh, et toi? Oh, moi, j'ai glissé. Ben, moi, j'ai piqué une machine à écrire. Machine à écrire? Mais c'est pas intelligent, mon vieux. Et t'étais sûr de te faire poisser? Elles sont toutes numérotées, les machines à écrire. Tiens, tu vois le grand là-bas? Ben, lui, il piquait des pneus de voiture.
Moi, à chaque fois que je chialais à la maison, mon père prenait son violon et jouait un air en imitant mes pleurs. Et tout ça pour m'emmerder, tu comprends? Mais un jour, j'en ai eu marre. J'ai attrapé une crise de nerfs et puis, bon, j'y ai volé dans les plumes. T'as bien fait. Moi, j'aurais crevé mon vieux s'il m'avait fait ça. Qui c'est ce mec-là? C'est Jeannette qui s'est fait piquer. Il s'est fait tirer, il y a même pas une semaine. Oh, mais je le connais, ce gars. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Oh la vache. Bah, tu sais, ici, c'est pas interdit de s'évader, c'est interdit de se faire prendre. Oh, je devrais pas mettre sa place. Oh là là, ça sent le soleil, hein, pardon. Sale flic. Oh putain. Mais il aurait pas dû s'échapper, remarque-moi. Qu'est-ce que vous foutez là? Allez, encore une paire d'yeux que ça saute. Qu'est-ce que vous, toi, là-bas? Allez, en avant. Marche. Un, deux, un. Montre-moi le pain. Ça va? Dis donc, tu l'as entamé, toi? Prends ton assiette et ton pain, viens ici. Au salade. La droite ou la gauche? La gauche, monsieur. Et on se tait. Tiens, je t'ai apporté ça. J'avais parié que tu te ferais repiquer. Tu vois, j'ai gagné mon pari. Je m'en fous. Je me suis tellement marré pendant 5 jours que je suis prêt à recommencer à la première cause. Qu'est-ce que vous foutez là? Canaillan, chez la psychologue. Si elle laisse tomber son crayon, ramasse-le. Mais regarde pas ses jambes. Sinon, c'est marqué sur ton dossier. Dossier? Mais quel dossier? Bah oui, c'est ce qu'on sait sur toi, c'est ce que pense le docteur, ce que pense le juge. Enfin, même ce que pensent les voisins de tes parents. Remarque bien que moi, mon dossier, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a marqué que je suis un instable psychomoteur à tendance perverse. Et si je dis des conneries exprès comme ça, pour déconner? Bah alors là, t'es bon pour Sainte-Anne. Et puis à Sainte-Anne, on te fait passer le 38e parallèle. 38e parallèle? Vanel. Oui. Pourquoi as-tu rapporté la machine? Oh, bah parce que... comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait... Je sais pas, je l'ai rapporté. Je sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai pu trouver. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirai des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? Oh, parce que d'abord, j'étais en nourrice. Puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout.
Puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, genre, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu quand elle était... Elle m'avait eu fille-mère, quoi. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis, si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. As-tu déjà couché avec une fille? Non, jamais. Mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors, ils m'avaient dit, si t'as vachement envie, t'as qu'à aller rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Alors, moi, j'y suis allée, et puis... J'ai demandé à des filles, et je me suis fait vachement engueuler. Alors, j'ai eu la trouille, et puis je suis partie. Puis, je suis revenue encore plusieurs fois. Puis alors, comme j'attendais dans la rue, il y a un type qui m'a remarqué. Il a dit, qu'est-ce que tu fous là? C'était un Nord-Africain. Ah bah alors, je lui ai expliqué. Alors, il m'a dit, il connaissait sans doute les filles, parce qu'il m'a dit, moi, j'en connais une qui va... une jeune, quoi, qui va avec les jeunes gens, tout ça. Alors, il m'a emmenée à l'hôtel où elle était. Et puis, justement, ce jour-là, elle n'y était pas. Alors, on a attendu une heure, deux heures. Puis, comme elle ne venait pas, moi, je me suis tirée. Bonjour. Ne cherche pas ton père, je suis venue seule. C'est par là? Par ici. Ah bon. A fait beaucoup de peine à ton père. Tu as été très naïve de croire qu'il ne me la montrerait pas. Contrairement à certaines apparences, nous formons un couple très uni. Et si j'ai connu une période assez douloureuse dans ma vie, ce n'était pas très malin de la lui rappeler. C'est tout de même grâce à lui que tu as un nom, hein? Nous étions prêts à tenter une expérience entreprenant à la maison, mais ce n'est même plus possible à cause des ragots des voisins. Sans compter que tu as dû te plaindre dans tout le quartier. Bon, c'est pas vraiment, j'ai rien dit. Oh, remarque bien, j'ai l'habitude. Toute ma vie, j'ai eu les imbéciles contre moi. Eh bien, voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Inutile d'apitoyer ton père en jouant les martyrs. Il m'a chargé de te faire savoir qu'il se désintéresse complètement de ton sort désormais. Tu es bon pour les enfants de troupe ou le centre d'apprentissage. Tu voulais gagner ta vie? Eh bien, tu vas voir si c'est amusant de travailler le bois et le fer. Allez, 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 allez
Thank you.